tête. C'est trop mignon. J'ai joué Illama, qui est une mélodie du Hadramaut, mais qui vient en fait de l'Inde, qui a voyagé certainement en boutre. Quel autre musicien pourrait venir travailler avec des musiciens yéménites en deux semaines et produire un concert comme on le fait là? Ça ne peut être que des musiciens de jazz, parce que le jazz est une musique qui est ouverte à tout et qui permet les improvisations, les rencontres. Fait que ce soit des gens qui aient une ouverture d'esprit, qui puissent venir faire de la musique avec des musiciens yéménites. C'est-à-dire qu'un excellent musicien de jazz qui ne s'intéresserait qu'au jazz n'aurait rien pu faire ici. Et puis c'est des gens qui ont envie aussi de faire de la musique quand même. Qui aime voyager et découvrir d'autres musiques, d'autres cultures, d'autres pays.
sure? Parmi les cinq musiciens avec lesquels on travaille, là, il y en a un qui lit la musique, écrite à l'occidental, parce que leur musique, c'est une tradition orale. C'est pas du tout la même manière de penser à la musique, d'organiser la musique. C'est une musique modale, c'est une musique qui utilise les quarts de ton, qui n'est pas facile à gérer pour nous. Le plus simple à marier, c'est l'aspect rythmique. C'est d'une manière générale la difficulté du mariage de la musique occidentale avec toutes les autres musiques, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie. Donc, on essaie de ménager des plages, des moments plus harmoniques et des moments plus modaux. C'est difficile, il faudra encore quelques années de travail. Ré mineur et dominant. Après Do mineur. Voilà. Et donc, je voulais faire une petite introduction plus orientale. Oui, orientale. Avec un oud qui improvise en Ré mineur et l'autre qui lui répond en Do mineur. Oui. Un petit échange comme ça. 20-30 seconds in C minor, Do mineur. Do mineur. Ré mineur, Do mineur. Ouais, je l'ai écrit en France. Pour, on ne l'a jamais joué, hein. Je l'ai écrit pour venir ici. فهمت يعني انت تتكلم مع قليل عربي يعني شوي لا لا That sells the stuff in the market, in the souk. The souk, huh? Yeah. Subhanallah. Yeah. أحب الموسيقى. الموسيقى موجودة في كل الدنيا. الموسيقى هي أرقى ما خلق الله. خلق الله الموسيقى لتكون تناغما ما أروع الكونترباس فوريو كان يريد أن يعمل شيء أكبر
وتومي قدم من التراث الاسكتلندي اغنية رائعة. كلهم كانوا رائعين. والوكي عمل يمن السويت. وانا عملت لي في الهواء. لي في الهواء ما مع الاحباب وخبر المحارب قلبي نوى يصطلي ويغوص عمق التجارب. لي في الهوى ما مع الاحباب وخبر المحارب قلبي نوى يصطلي ويغوص عمق التجارب. لي في الهوى والغنى موهبة، ما حدا بيتعلم يغني، موهبة يعني إلهية. وكنت دائما وأنا صغيرة أحب أستمع لأمي وهي تغني، وكمان من كثر ما أنا أستمع لها حفظت كثير أغاني يمنية من بعده
مثل لي يا أبوي. هي كانت بترددها دايماً وأنا صغيرة وحبيتها من صغري وأنا بغنيها، وعشان كده كمان غنيتها مع الجروب هذا. سعيدة كثير إنه يعني اشتركت مع عازفين أوروبيين يعني كبار، ويعني سعيدة جدا بهذا، وإن شاء الله يعني أخذ خبرة أكثر وأكثر من هذه التجربة واستمر للنهاية. و...